de Scorpion. Allez, on a fait le, il a décalé, non? Non. Attention, là, il faut se battre pour aller chercher le puck. Ouais, bien allez, fait. Allez, comme elle vient, comme elle vient. Ouais, on l'a vu, comme elle super vient. Super but de Phil Pietroniro, le sniper en power play. Et donc, eh ben écoute, 40 secondes. 40 secondes en supériorité pour Mulhouse, pour ouvrir le score. Joli mouvement, effectivement, oui. Supériorité, bien exécuté. Lamel qui se débat avec un puck derrière. Ouais. Nous relance un peu trop de l'axe pour Rouen. Et derrière, Pietroniro qui évite cette sortie de zone offensive. S'avance et prend le shoot. Petit contrôle et un shoot. Le gardien était déjà en bas. Et c'est, ouais, la lucarne. Et bien, la pénalité, elle a coûté cher, celle-ci à Rouen. Ouais. Et attention, par contre, à ces Rouennais. Oui, attention. Ça va les énerver peut-être. Floud, Tessier, ça circule. Tessier. Et déjà ils sont en place. Hein. Voilà, voilà, but. Ah, eh oui, allez. Ça va très vite. Ah mais il a pas vu le shoot du poignet. Non, non, ça a été hyper vite là. C'est donc le numéro. Attends, c'est un défenseur, c'est le grand barbu là. C'est... J'arrive pas à voir celui qui arrive là. Ouais, celui qui arrive exactement. C'est Gilbert, numéro 67. Non. Ouais, c'est lui. Non, moi j'aurais dit Lampérier. Écoute, on va voir. Bon, eh ben ma foi, 10 secondes, 15 secondes. Ah ouais. Comme Mulhouse, on marque sur la supériorité numérique, on égalise. Côté Rouen. Il faut pas que ça déstabilise Isaac Charpentier qui reste dans son match. Parce que pour le moment, il fait un bon match. But pour l'équipe de Rouen, marqué par le numéro 67, David Gilbert. C'est gourmand. Ouh, c'est gourmand, mais bon, on s'en sort bien. Oh, attention, il est tout seul. Il est tout seul, s'il remet dans l'axe. Eh oui, mais bien sûr, ben voilà, c'était sûr. Eh oui. Ouais, celui-ci, il est indiscutable. Ah oui, non, mais là... Indiscutable, ils l'ont laissé seul, Isaac. Ils l'ont laissé seul. Donc forcément, quand on voit le niveau des joueurs, ça facture de suite. Allez, dans les grandes tribunes, petites tribunes avec les ultras, il va falloir donner tout ce que vous pouvez également pour supporter votre équipe et les aider. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va mettre les ultras. Dommage, parce qu'on avait, bien pris encore ce deuxième tiers-temps comme il fallait, même s'il y avait eu un but. On l'avait quand même bien pris. Et puis là, on prend un petit coup de massue là. Oui. Il faut se retrouver un peu seul quand même. Et la belle s'est fait retourner là. Là. C'est la belle, oui, s'est fait retourner là. Allez, vas-y! Oh oui! Superbe! C'est bien! Pistilli, bon travail! Pistilli avec Pernou! Ouais! Et on a beau dire, mais celui qui est allé chercher un peu, c'est Lamel! Ouais, c'est ça, il provoque en fait. Il va provoquer un peu cette faute, il donne pas le contrôle au Rouennais et Mulhouse joue le jeu, récupère. Eh ben écoute, 2-2, c'est très bien! Allez, vous le voyez, Mulhouse, vous le voyez, tous les encourages, on les encourage encore! Et donc ce sera le numéro 36, le buteur, et c'est déjà, ça joue assisté de Philo Aspernou, numéro 15, et d'Olivier Labelle, le 93. 93, ouais. Ah, 26 minutes et 51 secondes de jeu. Attention. Encore une fois. Attention, la Mulhouse, j'ai l'impression que... Non, c'est Dorion, pardon. Voilà le but. Qu'est-ce qu'on disait ? Ouais, mais il y avait un gros trafic là, devant la cage. Énorme trafic, mais Mulhouse ne jouait pas. Mulhouse ne jouait pas. Donc but. Ouais, c'est un gros but de la bleue. Du numéro 14, je crois, effectivement. Tomasino, non ? J'ai pas vu. Mais Mulhouse ne jouait pas. Non, c'est Guimond. C'est encore Guimond, il me semble. Mulhouse ne jouait pas, malheureusement. Non. Il regardait un peu ce qui se passait. Il subissait. Il faut réagir rapidement pour Mulhouse. Il faut vite revenir dans le match. Il y avait effectivement beaucoup de trafic devant la cage de Isaac Charpentier. Celle des Rouennais, oui. Dorion. Rouen, toujours l'attaque. Attention, ça va se retourner. C'est le cas, c'est fait.
Oh, oh là, mais oui, mais bien sûr, il la ramène. Mais là, et là par contre, c'est Pernoud qui a été un peu fébrile. Ouais, il a regardé le joueur, il s'est dit non, il n'aura pas le temps, mais bien sûr que si. Ça réclame un peu une crosse haute là, visiblement. Bon. Mais on l'espère pas, les Scorpions. 7 minutes et 2 secondes de jeu, du coup, on marqué par le numéro 14, Quentin Domasino, assisté du numéro 44, Sacha Guimond. Et Guimond, encore une fois. Ouais. Cela dit, le coup de massue. Et heureusement la cage a bougé. Non, il avait fait l'arrêt quand même. Oui. Zach. Et c'était Vignières qui était au rebond. Hein. Point d'ancrage, il va revenir. Ouais, ça cherche la déviation. Oh là là, ouais. Sur la jambière. Oh bah oui. Et derrière c'est Gilbert. Ouais. Ah c'est sévère celle-ci. Hein. Celle-ci est sévère. Mais si on prend des pénalités, c'est sûr que avec Rouen, ça, on les paye très cher. Hein. Oui, deuxième but hein, pour Gilbert ce soir. Temps mort de mon départ, Mulhouse.